Salut, Salut à, à tous. tous Et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va, Fou Ça va très bien et toi <laughs> Ça va très très bien. Allez, On quoi, a pas eu ce ⁇ damer le pion euh, de manière... Euh, voilà. ⁇ C'est très rigolo. rigolo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va vous présenter une decklist historique, euh, la meilleure. Vous l'avez bon vu, vous l'avez vu mercredi dernier. Ce que ça nous a fait, ce que nous avons... Ça subi. nous... Euh, pas bien. Non, non, pas bien, pas bien pète au casque. Après, on a joué. Il faut savoir qu'on a euh, tourné la vidéo de mercredi dernier, lundi dernier. Le format n'était pas prêt. Les elfes étaient rectilignes et on s'est fait punir. Là, on vous présente une version. Vous étiez rectiligne, mais euh, courbe. Oui, bah, coup, bah, euh, bah, euh, dernier, oui. Nous, nous étions sur la route de la rectilignité de l'elfe. Euh, ouais. Maintenant, Elf a dû s'adapter parce que maintenant, Elf est un vrai deck joué par les joueurs pro et donc du coup, les decks sont adaptés, Ils ont plein de races plein danti bêtes et tout. Et donc du coup, Elf, ça devient plus compliqué. Et là, on a fait des recherches pour vous présenter une version Elf un petit peu aboutie, un petit peu, euh, un petit peu pimpée et Fine qui est capable chine. de s'adapter à toutes les decks list control que vous allez rencontrer sur ladder Parce qu'il y en a légion. Ah ouais, les peurs paralysantes, les witches vengeance, les anti bêtes de masse. Si vous jouez elf, vous allez en prendre des millions. Donc, du coup, la liste est adaptée. Voilà. Si la vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, oh. n'hésitez pas à partager dans les commentaires et à vos amis. Vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, déroulez la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et notamment pour venir nous voir en live sur Twitch. C'est bien aussi. Ça peut être vraiment très sympa. Puis, quelque chose me dit qu'en fin de mois, il y a un petit cast qui se prépare. Il y a peut-être ça, mais, euh... mais c'est une éventualité. Mon petit doigt m'a parlé. Ah oui ouais. Il a dit quoi a le cast le Bien tout ça. simplement. Et il n'y a pas pâle, de gens qui, euh, qui miment un petit doigt, tu vois. Donc, euh... <laughs> très, très, très peu C'est la plus-value pour hein. le coup. Les Imaginez en si temps. là, dans une intro de vidéo, on mime un petit doigt, ce qu'on fait à 3h du mat' en cast, bourré comme des coins. Ah bah là, c'est. Parce qu'il faut savoir, on se détruit la gueule, nous, en là. cast. <laughs> à moi je ne bois que lors des casts. <laughs> Hop là, bourré. Mais c'est ce qu'elle fabrique. Tout le monde dit, ah, comment vous faites Bon ah, putain, ambiance. naturel. Mais gros, on est bourré. C'est <laughs> pas naturel. Moi, je suis triste d'habitude. Juste, on est méga bourras. Sur la tête, parti. Avant chaque vidéo, de toute façon. Avant chaque vidéo, ouais, hein. on se cuve. Et quand on se dit ce que tu donnes à plus Belle va. Magie, là, tu es en train de tout lui donner. La vidéo, elle a pas commencé, alors qu'en plus, c'est Elf. Ouais. Il va et faire il un best-of sur <laughs> la vidéo. <laughs> <gros. gros. rire> c'est fantastique. Bref, Bref ça. vous pouvez aussi nous rejoindre sur Tipeee. Si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez tiper euh, de manière instantanée ou alors tiper euh, étalé sur euh, plusieurs mois à hauteur de toutes les bonnes. Merci. Ou même gratuitement. Ou même complètement gratuitement. Merci à tous ceux qui le font et qui le feront. Et puis voilà, et puis maintenant, je vais te laisser parler des bros, les ah, régaleurs. Bien sûr, je me suis dit, oh, ce qu'il va le faire Il est chaud. Merci beaucoup à Playin, c'est de bon. bazar. Sponsor qui régale toujours autant. Euh, code euh, valépl 2021 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et les points de fidélité, c'est bien, parce que ça fait bon bons achats de 5 euros. Je ne vous dis pas combien vous allez en avoir. Surprise, Voilà, c'est un nombre aléatoire entre 1 et 2 millions de bons achat. C'est plus souvent 1, mais des fois, c'est 2 millions. Donc, euh, tentez votre chance. Moi, je crois que c'est proportionnel à ce qu'ils achètent. Ah c'est pour ça. Mais du coup, il y en a qui ont eu 2 millions et eux, ah ah, ben... ils, ah, ils ont tout pris. Justin Bieber a utilisé le code ValetPL. Ah, il a acheté PlayGate. Il n'y avait plus rien. Ils ont fermé le site pendant deux jours. <laughs> Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront, ça nous soutient. Et euh, code créateur MagikarNFR sur boutique Epic Game Store. Parle-nous de ces elfes, là, pendant qu'on montre un gros décal hein, Les petits cool. elfes, je vais vous faire un petit storytelling de ce qui s'est passé avec Elf. On s'est fait casser la gueule. On va pas se mentir, vous avez vu la vidéo de mercredi. Cette vidéo n'aurait pas dû sortir, mais elle est sortie pour votre elle a grand plaisir. On s'est fait casser la gueule. Les elfes, ça jouait vraiment de manière extrêmement rectiligne. Que des elfes, compagnie rassemblée, aucune autre carte. On avait un splash noir avec ses idées pensées pour s'adapter au bras et tout. Que nini. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, sur mon stream, je me suis dit que j'allais tester les elfes. Oui, à tester. De manière complètement rectiligne aussi. Je me suis fait casser la gueule. Aïe, aïe. Je me suis fait casser la gueule. Le format s'était adapté. On était quelques jours après le tournage de notre vidéo. Beaucoup d'antibêtes de masse, beaucoup de d'antibêtes ciblées, euh, très peu de possibilités de revenir après les board super parce que le plan de jeu d'elf c'est de t'étaler sur le board et donc du coup quand tu prends des antibêtes de masse bah t'as peut-être pas fait assez de value pour pouvoir repartir beaucoup de cache du fossoyeur pour empêcher les compagnies rassemblées de continuer à jouer mmh. donc vraiment casser la bouche du coup là est-ce qu'on est, qu est en, train, en train de présenter une desquelles qui ne marche plus et non justement. Oh, justement. Et bon, justement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, j'ai été détectiver les pros. Mais du coup, c'est pas de la détective, parce que c'est pas sur du ladder. J'ai été voir un petit peu euh, ce, que les les pros, euh, ce que les pros jouaient, notamment Elliot Dragon et Gabriel Nassif qui ont beaucoup joué le deck elf, et qui ont apporté des petites euh, des petits tunings, des petits ah, fine tunings. De Toski, je sais d'où ça vient ça. Alors ça vient d'Eliot, mais Gab le joue aussi. Donc voilà, donc, du coup, on a, été, euh, on a été un petit peu regardé et tout pour vous proposer une version maintenant qui est capable, entre guillemets, de générer assez de value et de se relever euh, des anti-bêtes de masse, et capable de grinder et de s'adapter à la méta un petit peu contrôle euh, du format. Out les, euh, le splash noir pour les saisies dépensées, on s'en fiche, on veut un deck qui soit extrêmement stable avec 16 forêts enneigés et le Havre sans visage qui permet d'aller tuer les decks contrôle. Et en plus, c'est un changelin qui est donc du coup un elfe et buffé par Volor. Oh! Donc ça marche très très bien. On a toujours le plan de jeu compagnie rassemblée et la base elfique. La base accélératrice avec la sentinelle et élève de la noire. Le berger allosaurus qui est littéralement un kill dans le deck mais qui peut aussi empêcher vos elfes d'être contrés même si c'est pas euh, la ligne la plus intéressante de la carte. On peut en plus utiliser la capacité pour seulement 4 mana si on souhaite tricher. Non, ça on ne si peut si pas... On a vu l'adversaire mercredi qui l'a fait. Oui mais parce qu'il était trop fort. On a le maître des guerres elfes qui va créer du board. Meneuse de clan elf qui est le lord préférentiel qui, en plus, peut vous permettre de rentabiliser votre mana et l'île de Duiden pour prendre le terrain. Marche au royaume qui se fait aussi invalider par cache du Fossoyeur, mais qui marche très très bien pour. Étendre le board et faire de la value. Archidruid Elf ah ouais. qui vous permet de tricher sur la mana. Et les cartes maintenant qui vont nous permettre de battre les jeux contrôle, c'est Toski en deck pour piocher plein de cartes et qui ne s'en va pas sur les anti-bêtes de masse, qui va être très difficile à gérer pour certains decks. On a Vivienne, Partisan des Monstres, parce que c'est un plein soccer, ça nécessite que les decks diversifient leurs réponses parce que vous, vous avez diversifié vos menaces. Un simple anti-bête euh, ne marche pas et ça a l'upgrade aussi de vous permettre de faire euh, la même chose que Marche Royaume quand la Vivienne est, est sur le champ de bataille. Et on a Havre sans visage, qui permet, même après les antibêtes de masse, d'aller mettre les derniers points. Je me suis souvent retrouvé avec les anciennes decklist elf, à laisser mon adversaire à 2-3 euh, PV et à ne plus jamais le tuer. Havre sans ça, visage, ça finit. Dans le side, euh, les trois sanctuaires des modeleurs, ça, ça permet d'aller euh, gérer tous les jeux qui vont vous jouer des interactions euh, noires. Donc que ça soit mono-noir, que ça soit vampire, très populaire sur le ladder en ce moment. Eh ben, Sanctuaire des modeleurs, ça va recycler toutes vos créatures pour piocher des cartes et vous permettre d'épuiser l'adversaire. Limon Nécrophage, vu qu'on n'a plus le spache noir, on ne joue plus l'Inlet du Vide, donc il faut quand même pouvoir gérer un petit peu les, les joueurs qui essayent d'abuser du cimetière, que ce soit Ragdos Arcaniste ou alors euh, June Sacrifice. Sage du Reboisement pour péter les cages adverses, ou alors juste contre Wild Control qui va faire passer tous ses antibêtes par des enchantements en fait. Donc du coup, Sage du Reboisement, ça libère vos créatures naturellement. C'est une très très bonne carte. Le Toski supplémentaire pour s'adapter aux antibêtes de masse. Ça, c'est les petites techs que j'ai vues justement chez les joueurs pro. Oh, bien joué. Comment est-ce qu'on fait pour aller invalider et pour prendre à leur propre piège les, euh, les deck list contrôle Eh bien, on rentre des soccer on continue encore plus à diversifier les menaces et à jouer des cartes qui euh, ne meurent pas sur anti bête de masse. Ce qui demande du coup à l'adversaire de s'adapter à la fois à votre board, mais en plus de s'adapter à vos vraies menaces. Vivian Reed, en plus, qui va libérer toutes vos créatures des enchantements de l'adversaire, ça marche très très bien. Et ça qui est Elf. Donc euh, un qui n'est pas elf mais qui va mettre des points très rapidement. Elf, et en plus on a Behemoth, Caveur des Cratères qui euh, elle est une carte ultime dans le Mirror bah, pour faire juste un board qui est capable de passer le board adverse pour le coup. Et donc là je sais pas si ça va marcher mais en tout cas la liste elle est un petit peu next level, un petit peu avancée et c'est pas impossible qu'il y ait des joueurs MPL qui jouent elf. Euh, le deck est passé de oh, c'est rigolo elf mais nous on va préférer jouer gobelin à... Vrai prétendant euh, au meilleur tiers du ladder historique. Il eh ben j'ai déjà une question avec tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend Rien. C'est parti. C'est parti. Ah, parce qu'on est en train de s'emmerder en fait. On va voir les œufs qui cassent la gueule à tout le monde. Non mais j'avais un peu d'inside pour le coup. Ah, moi j'ai des, 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 des fois, mais moi on, je de ton savoir, tu le sais. Des fois on part en ladder, on n'a jamais testé la liste, et on la découvre avec vous. C'est un truc qu'on adore faire. Donc. Mais des fois on a un peu, il s'est déjà passé, il y a eu un petit peu de, on sait. de background et donc du coup on essaye de. Bah, C'est plus ce d'ailleurs. Ça dépend des fois. Ça dépend. Franchement, c'est euh... très. Euh... Bah en sortie extension, c'est vrai qu'on découvre beaucoup. Euh, ouais, complet. avec tous les nouveaux decks. Et puis on n'a pas le temps de tout te jouer, cela dit. Attends, que de bras de jambes. Comme lui. Il y a deux bras de jambes. C'est bien ça. Oh, on va les couper. Ouais. Oui, c'est bien. Après, s'il fait autour un cage, je, je, vais, je vais aux toilettes, quoi. Ah oui, bah, oui. Mais bah, maintenant, non, je vais aux tu toilettes. Tu le chemin des toilettes et tu t'arrêteras juste avant, à ça. Ah bah le premier rideau que je croise. Qu'est-ce que j'en ai des rideaux chez moi J'en ai partout. Alors, qu'est-ce qui nous joue, euh, monsieur Nemless un streamer, ça je crois. Ah ouais? Mmh. Tu connais pas Nemless Ça me dit rien. Ah ouais? Bon, c'est un, un streamer qui fait du, du Warzone, chose comme ça. Ah! Je sais pas. Grand frère de Chelsea, je crois. Voilà. Franchement, ça, je, ça me dit rien du tout. Ah ouais? Mais ils ont une petite collecte là. Ah, je ah, vais. Euh... Non, attends, attends. Bah non. Mais si tu peux buffer tes, tes lords? Mais c'est pas grave. Ah oui? On est, de, on est sur un deck tranquille, de grind là. maintenant, on est tranquille. Tu veux te prendre Witches, Vengeance et remballer? Ah, il joue pas main deck. Mais les gens sont méchants. C est, c est les cages et méchants, tout, ça chants. peut être main deck. Hein. Franchement, j'ai pris des trucs. Quand tu sais que elf, il est super représenté, tu t'adaptes. Hein. Parce que ce deck-là, autant t'as les réponses, tu le défonces, autant t'en as pas, c'est perdu. Hein. C'est poubelle. Oh là, on l'a on de l'autre côté du miroir. Oh, yes! À faire ah, par contre, là j'avoue, là je dois t'avouer mais bon, là voilà. je, je suis d'accord que là il faut peut-être oh, pas les gros. quatre, mais ça non, non euh, on prend l'archidouine, non? Ouais, en vrai, en vrai je m'en foutais. Qu'Alosaurus, c'était pas mal, hein. ça arrêtait de l'étal Et je t'ai demandé à tu m'as dit non, je t'ai dit à euh... Et bon, lui, alors attends. En fait je voulais dire pas Marche Royaume mais Allosaurus et euh, l'autre. Ah c'est pour ça. On va euh, prendre les manas. Tu vas faire énormément de mana. Transformer tout le monde en 5-5 et bourré. bourrer. Hein. Ben, en fait t'attaques avec deux là. Du coup pas ouf. Vaut mieux que tu utilises euh, le mana pour, euh, pour continuer les à cartes du bord, dessus. Hein. Ou alors utiliser la menace de clan. Non il fais d'abord euh, Dwayne Elite. Menace de clan. Et là s'il a pas vrac, c'est perdu Tu veux que je te dise où il la met la race Dans son cul Dans son cul Ah c'est déjà un classique <laughs> Déjà un classique Par contre contre lui euh, Pas grand chose bah, je il, pense, va hein. il, pas il va rentrer interaction non Il mettrait pas trois sanctures là Il va rentrer interaction est nous on avait rentré interaction contre lui Non mais il joue noir Ouais mais je sais pas pourquoi je ah, joue noir euh, J'ai pas vu moi hein, en tout cas tu sais qu'il va nous rentrer probablement des cages, ça c'est sûr. Donc ouais. le sage, il est, euh, est d'office. Ouais, reste comme ça et tu rentreras au sanctuaire euh, s'il rentre beaucoup d'interactions. C'est quand même pas mal de casser les, les flyers. Hein. Je suis penser là. Ça m'a traversé. Hop là, et passer les bords de mes C'est juste pour le plaisir. C'est juste cadeau, ça. Euh, Qu'est-ce qu'on coupe Ça, c'est souvent assez mauvais. Je peux enlever un sage au cas où, au cas Franchement, je euh... que ça, Ah c'est pas non plus... Euh... C'est pas sûr qu'il les joue. Est qu y non, pas... mais des fois, tu as des games, tu pioches enfin... deux collecteurs de compagnie, ta cage, euh, c'est perdu. Oui. Oh, mais là, je me parle du worst-case scenario. Ouais, mais je l'ai tellement pris hier soir en stream, ce worst case, gros. Ouais, non, j'ai pas pu voir le stream. Ah, c'était. Du euh... début à la fin de ton stream, c'est pile le moment où je regardais Naruto. Je me suis fait tellement casser la gueule. Et pourtant, c'est dire à quel point j'apprécie les elfes et à quel point j'ai senti qu'il y avait quand même un truc à faire. Normalement, casser la gueule comme ça, ça dégage, on joue plus jamais. <laughs> je dire. me suis dit non, c'est moi qui ai pas la bonne liste. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Ah, bah là, c'est bon, t'as tes deux collectés dont tu parlais et t'as tes deux sages. Ouais, mais. Et et <laughs> et il y a une... une sortie de merde. Bah, ouais, je vais la garder, tiens. Ah j'ai de l'ambition Non ah ouais je quand même hein, je l'aurais pas gardé moi. On, Alors, est, sur on, est, on est sur la drogue. Land On est sur la droite. Ça va. Ah non ça va pas. Mais il faut trouver Land maintenant, on est frais. Ouais. Oh pire on repart sur le play après, c'est bon, on en donne une pour rigoler quoi. Ça va. C'est quand même chier hein. Ça va. Ça va à pied. Ça va à pied. Comme Zizou. Mais il faudrait que tu draws un tour et un land. Pas possible, ça. Tu peux non. Et non, non. quest c'est, que ça Et qu'est-ce que c'est, ça Qu'est-ce qu'il qu qu fait jouer ça. Hein. Euh, oui, c'est bien ça. Il mis une 4,4 pour 3 val. Voilà. J'ai un mana. Gros. Il mis une cacac. J'ai un mana. Un putain de mana quoi. Enfin. Polo Ziaspico -E qui tag les judges. Mec, je veux me manger. est hein. hors là. de question que je perde contre un U. Uh. Et en plus, lui, il respecte rien quoi. un oh, il a rien à foutre. Le keep était ambitieux. donc c'est dur. Hein. Tu le permets Non, non, non vas-y, on peut le gagner encore. Ah ouais Non, c'est pas vrai. Voilà. Non, mais je sais pas, j'avais un doute. Ah, quand il attaque même l'évêque d'El. d'elle. C'est qu'on l'a perdu. C'est que ça va pas aller. Ah bon. C'est bon, on on comme, comme ça. On va juste chater en fait. Oui. Là, on lui fait croire qu'il peut gagner Nemesis. De toute façon, il... elle a vu ce qu'on a met à la une, moi, la vidéo est parfaite, là. Oui, c'est C'est la vengeance. Ouais, mais moi, je veux gagner euh, le BO. Tu vois. Je veux vraiment me venger parce que là, c'est pas genre en mode on s'est vengé, c'est genre on a gagné une bataille, tu vois. Mais pas la guerre. Ah non, là je vais le, le Tu term... veux gagner la guerre. Terminer. Tu veux gagner la guerre d'après même. Ah, terminado. Quoi. Tu voudrais gagner la guerre d'across Je voudrais gagner la guerre d'across, ouais. C'est vraiment genre la guerre après occupation, tu vois ce que je veux dire mmh. Genre fini quoi, il y a plus jamais d'ange. D'ailleurs j'ai appris euh, ce qui s'était passé à la guerre d'across. Ah ouais, ouais. Comment t'as appris ça euh, Avec le lore. Ok. C'est ce qui s'est passé Pas du tout. Bah la guerre. C'est tout. Ouais. Ok. Mais il a pas crosse, genre une race contre une autre race. Là. Ah je sais pas, j'en sais rien. Ouais oh, donc t'as pas pris <laughs> la carte. C'est où bien, parler pour rien dire. Par ah, exemple... Oh, ouais. peux faire Land Sentinel, Into, Dwinenzelite, euh, j'engage, je mets un elf de noir, c'est bien. J'aime ai, bien Elf de la noire, Archidorie moi. Ah j'ai pas eu au de debout. Bien ça, c'est hein, mieux aussi. Te dépêche Namel, s'il te plaît. Et patate au fort, là s'il te plaît. Comme tu sais. T'as les patates au four J'ai toujours une patate au four. T'as toujours une patate au four Qui ça fait une pomme au four C'est moi, Doug. Je <laughs> vais pas manger ce matin. C'est fou. Hein est Il cool. est en train d'opérer un mec. Hein hmm. C'est dingue. Et les gens ont pas la ref, ils disent Mais qu'est-ce qu'il y a Et là, Mais moi, bon, je sais pas. Tout, ce tout le monde a la ref. Moi, j'ai la ref sans avoir vu le... la ref. C'est beau. Hein oh le riz. Oh le Vivienne Reed qui arrive là. Ah oui, on peut Vivienne Reed maintenant. Mais euh, c'est. Non, non, Ah bon, on va ouais, de. Euh... Mais je vais plus un gros. Comment il le gère, mon Vivien Mais Reed. là, tu peux faire euh, Elite de Dwinen. T'as 1, 2. Mais je pense que je fais Vivienrid, Reed, il concède, gros. Quatre, Alors cinq, que là, on peut prendre. Euh, mais non, tu fais Elite de Dwinen, Vivienrid, Reed le mana Elite de Dwinen, Vivienrid. Ah oui, oui, bien joué, effectivement. Ok. Mais à coup cool, pas. Et euh, même euh, Sentinel de Jaspera, du coup. Avec ça Ouais. Putain, il est bon, quoi. Mais il est bon Ah, joué à ah il est bon Putain Sans déconner, quoi. Et là, tu me montres quoi Un délice, un délice Ciao les anges. C'était un plaisir. Putain, on aurait voulu que ça se passe comme ça, ça serait pas passé comme ça. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deck elfe formidableux. C'est pas la fin, vous voyez qu'il reste du temps. Ciao les anges. Mais si, quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui a bougé la souris sur son écran, voir si c'était vraiment la fin de la vidéo. J'ai réussi mon pari. Je dis, oh, putain les cons, ils ont envie de couper le micro. Oui. Ah c'est vrai Mais on devrait le faire une fois ça. Ouais ah, mec c'est ah, il reste une heure de vidéo. Et en fait non, rien. Moi je crois que Youtube il aime pas, genre si tu mets un écran noir... Euh, il te dit... <coughs> Pourtant il y a des gens qui le font pour euh, que leur vidéo de moins de 10 minutes euh, fasse 10 minutes. Et normalement tu peux pas, il faut mettre un son au moins. Ah bah peut-être tu mets un... <coughs> mais non, mais non. Bon, 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 bon. Bon. Oh Manu Oh Manu Est-ce qu'il va descendre Blague de boomer je le dis. Non, je le dis. T'as vu quand même que Elf, ça fait des trucs. J'ai l'impression ah que j'avais vu déjà. <laughs> le standard, c'est une route nationale. Ouais, je l'ai. L'historique, c'est une autoroute. Mais ouais. c'est limité à 130. C'est une autoroute. Nous, euh, on est à 200, quoi. Ouh, on est sur l'autobahn. Hein. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on qu qu dit de ça Bah là, t'as une 2-2 pour 2, là, avec les deux actuellement. Ah, mais je vais faire mes nos avant, tu vois. Ah, tu... Je suis qui hein, en vrai. Ouais, il faudrait piocher un tour 1. On ne sait, sait pas ce qu'il fait Manu. Donc on, on peut garder lui, la façon. Donc Moulingan dans un tour 1, c'est pas dit que ça, ça pioche. Manu il joue les couleurs de la brasse déjà. On est prêt après side. Il joue les couleurs Jagras même. Indicace après à mon après soir, side bien. on devient un, un elfe midrange, c'est très mignon je trouve. Mmh. Ah, un poil tard ce drop -in. Comme Lionel. Peut-être qu'on hein. peut, qu peut sentinelle, ça nous permet de faire meneuse si on a un land, de faire... Le tour d'après, ça nous permet de faire meneuse élite si on trouve un land. Tu vois ce que je veux dire Je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc ça a peut-être un peu de valeur. Peut-être mieux, ouais. Parce qu'on va le trouver le land, j'y crois. Je vous, vous le dis, on va y arriver. Oh, comme il a pris sa Vivienne T3 l'autre Ah oh, il a pas aimé, hein. Bah c'est... Non, c'est mieux élite. Bon, mais du board. Ouais mais Maître Quoi il que... mettra il mettra du board aussi là on a perdu un token. Ouais, sinon, il va mettre du board maintenant. après en fait. Ça au même oh, ouais. Bon par contre là on prend TK de race. Mais on a la main pleine Ouais franchement s'il brasse maintenant, euh, c'est pas grave. Ouais. Faut piocher des landes, mais ça va. Oh, il est un okay. peu. Un peu méchant. Ouais. Pardonnez-moi. C'était que là, pas facile à passer pour Elf, mais après ça il en a des trucs. Il est pas facile à passer mais il est passable. Il est passable, effectivement. Mention passable. Bon bah Elite hein. Elite, 4 points. Ah, je me souviens quand on jouait ça. C'était pas le dessin d'ailleurs, c'était pas le dessin. Non, hein. en standard avec Magic Origins. Non, on s'en fout que vu. tu contrôles ça, vraiment oui. on en a rien. Ah à là il est plus de pour... ses cartes, il y a deux cartes en moins que nous. Pour ouais. enfin, nous on n'a pas de land aussi mais... Pour il on suff... a plus de cartes Il suffit d'en avoir un. C'est vrai. Euh, si on en a deux, c'est mieux, comme ça on peut jouer collected sans alpha mana. il n'y a pas le troisième land oh, il n'y a quatrième pas le troisième land Pas enfin, le quatrième land, pardon, je ne sais pas compter. Ouais, mais il a bien de l'esprit, donc il peut déjà avoir ça. Euh, ouais, bah faut quand même lui donner un peu à bouffer. Hein. Ouais, mais je mettrais euh, plutôt euh, Douyen Elite. moi. Bah on va faire les deux. Hein. On ouais, peut ouais, de bah, Meleus oui, plutôt que Chédri, Ouais. dirait qu'il y a un elfe sur la la mais, place, mais il est juste méga casse couilles ou je rêve ouais il fait que du 1.1 pour, pour l'instant ouais euh... et il contre des trucs nuls c'est à dire qu'il n'a pas de race hein, à faire ça hein. sinon il n'a aucun mmh. intérêt hein. après il a que des cartes qui en main hein après side qu'on va lui mettre ah les, les gères oui je les contre mais voilà passer ah, à ouais, deux ouais mais ça va pas se passer comme ça il peut pas garder plein de contres à... après side il... pour qu'il ait plein de brasses moi hier j'ai pris un Oppo. Il avait 4 fracassements du ciel, 4 couleurs de dieu. Il avait même pas de domescar, sans battre les couilles. T'as gagné Bah non. Et voilà, c'est normal. Ah mais j'avais pas la bonne liste. Ah eh, oui, euh, j'avais la decide. liste euh, comme ça. Enfin, ah allait... je connais moi. On allait tout droit quoi, on était un peu foufou, la jeunesse, la fougue, tu comprends. La fougue de la jeunesse. Ah j'ai bientôt 21 ans donc... Euh... C'est vrai, on les fait en live d'ailleurs, tu es 21 vois, ans. Encore jeune quoi. Est-ce qu'on fait un live spécial pour ton anniversaire de cette année voilà Non. Allez Oh non! Allez! Oh non! Mais si c'est bien! Qu'est-ce <laughs> qu'on qu fait, fait de Il faut débloquer ce quatrième malin pour l'accompagner. Dirait... Il a 21 ans. Bah oui. Ça vous étonne, hein? Il a la gueule cassée pour 21 ans. bizarre, <laughs> j'aurais pu se donner 29 mois. Hein. Étonnamment. Ah, il contemple, hein? Ouais. contemple donc. Sur main phase, ça y est, il un land. J'avoue. s'il en est pas, là, dit, mais es, mais est -ce il va dire mais qu'est-ce qu'il fait Oh ça, je m'en fous. À chercher une race, m'en cague. Ça serait bien de trouver un land. Ouais, ça permettrait d'aller taper dans la recette On pioche pas avec ce deck. Tu m'as dit quoi On pioche pas avec ce deck. Bah si, on peut jouer les cartes du dessus du pack. Ça revient un peu. Ouais au même, mais genre euh, dans 7, on peut laisser en vie quoi. Non, mais c'est pour pas qu'il aille chercher une race. Oui, oui, mais on n'a pas besoin de la tuer. On n'a pas besoin que l'archidruide soit à 3, par exemple, de force. Non, non, non. Du coup, là, est-ce que tu fais pas juste archidruide 2 points dans Narset Ah, si je fais archidruide, je mets 3 points même dans 7. Ah, oui, ça donne plus 1, plus 1. Ouais, bah ouais. Sachant qu'il l'a. C'est soit ça, soit meneuse euh, sentinelle, soit on passe pour faire compagnie rassemblée, mais c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien meneuse sentinelle plutôt. Ouais. Ça, nous, euh, ça permet de diversifier un peu les cartes qu'on a en main. Ouais, tu gardes ton archidruide du coup. Oh, j'aime bien parce qu'après on peut juste commit le board et perdre sur brass mais euh, ouais, il faut pas, pas il y a la la pas joué encore, euh, il vient de faire un spell de, de pioche après main deck c'est possible qu'il en ait pas un million, Pas il ouais. peut en avoir trois euh, peut-être quatre oui. parce que contre les decks genre mono noir euh, les Vras sont pas... non c'est pas dingo, pas inside, euh, par exemple. Euh, dans les mirrors, contre ultimatum qui est très représenté aussi oh, tu vois, on y Ouais. nice ouais ouais, ouais. Ah. Les gens vont dire Oh non, on en est déjà en ce tour-là. Ah, oui, c'est un peu plus fort qu'en qu standard. Ah bah maintenant, je le bourre et je reste compagnie up. Mmh, oui, vas-y. On est là. Hein. Ouais, tu mets 8 points, tu tues en deux tours. Donc, euh... Enfin, en posant un land. Faut s'adapter contre eux, quoi. Faut pas être all-in, en fait. Faut toujours être un peu. Euh... Mmh. Il a recyclé un 1. Toujours être un peu parcimonieux. Oh, moi, j'aurais fait compagnie maintenant, là. De l'ordre, je tue pas et Ivra c'est perdu. Et c'est bien. J'ai fait hier hein. J'avais une sortie T3, j'ai tout mis. Je dis oh il a pas brasse on a gagné. Mince, brasse. Et toujours. Hein. Toujours. Et oui toujours. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai cru. Je me suis dit ah on sait pas tu vois. Mais des fois tu te fais le, le film d'une game que t'as vécu en te disant putain pendant 100 ans j'ai pas eu ma brasse et le mec c'est pas commit, il aurait gagné. Ouais là c'était vraiment. Dit, mode... Là c'est moi le mec je vais me comit j'avais gagné. Littéralement il est mort. C'est... Hum. P... Antibet ne suffit pas, tu vois. Oh, il faudrait il, euh, il, vraiment un ah, anti-bet. Tour 4, Vras, Ordaille. J'y vais. Je pense que j'y vais aussi. Bon, ouais, j'ai perdu. J'aurais perdu aussi. <laughs> ouais, je Bon, première collected. Oui, ça... Ou alors, juste ça nous donne le l'étal. Euh, non. On est à 8, ça nous rush Oh, on est one off enfin, ça On n'est pas loin du létal, mais euh, s'il a un bloqueur, un chat qui font quoi, c'est ça. Il pas bien bon, des, On va lui demander de contre et ça. Des trucs quoi. Non on s'en fout. Par contre sur land on peut meneux Archidruïde. Oh Toski c'est bien ça. C'est tellement incroyable dans ces spots là, Toski. Alors autant contre les jeux créatures, c'est une carte nulle qui va vraiment ça débecte de voir. Mais alors là, dans ces spots là, c'est incroyable. Mais je m'en ai décombre. Non, il y a Grul qui est un des meilleurs jeux du format. Et à cause de Brissor Grul tu peux pas jouer à de des Legacy. Pas main deck. Non. Ça non bien. Hein ouais, c'est pas mal. Fais chier cette proscription sur Toski. Ouais, mais tu vois, il peut pas gérer nos, nos elfes, nos lores, nos... nos elfes à mana. Donc non. Euh... Là, il lui faudrait Vras, ça nous mettrait pas très bien. Donc, il a retourné à Skenta. En plus, il peut aller les creuser, aller les chercher. Ah, si on gagne la une, je suis bien confiant sur le fait de, de gagner le match. De gagner une des deux matchs. Euh, ouais, des deux suivants. Ouais. C'est ça. Par contre, si on perd celle-là, ça euh, commence à suer un peu. quoi ouais. Je vous ai parlé de ce qu'on lui a mis euh, à la Bzan Angel là Il a pas joué me. Euh... Il a fait land engagé, land. Ça me régale quoi. Ça a été rapide pour ranger son deck dans sa deck box. Hein. Ah, complet. Bah, ça a pris autant de temps que les trois games. Il avait ça sur le board. Voilà. Donc pas des token foil, hein. il avait juste deux cartes, oh il a rangé comme ça. Hop, yes, il, avait il a rangé son deck. Quel plaisir, il a pas trouvé ses brasses, le coquengue. Oh, ça se voit que tu connais. Hein. Comme c'est Azorius, du coup pas de Sanctuaire des modeleurs. Pardon Pas de Sanctuaire des... Non, 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 non. Ouais, Lido de Duinen, je pense que ça peut dégager. Hein. Bah, je... Moi j'aime bien enlever Sentinelle de Jaspera parce que ça demande de créer beaucoup de board. Euh... Pour, euh, ok, pour faire du mana en fait, ça demande de t'expandre mm. et je pense que là on est un peu plus lent, quoi. Ok, mm. ouais, elle est bien cette là, je baille. Elle est bien. Est-ce est que Toski tu pourrais pas en cut hein Non, franchement, je crois que c'est trop bien contre eux. Les hein. compagnies, tu les as virées aussi. Moi, ouais, j'ai viré toutes les compagnies. Ça, j'ai Tu les rends pourquoi, du coup Il a que des scellés, des, euh, ouais, des cast out, des, euh, des conneries comme ça, quoi. C'est bien ça. Parce qu'il y avait des trucs à péter, je me suis dit est-ce que c'est worth de rentrer ça à la place de Alors en fait c'est vrai que si t'enlèves les compagnies, euh, du coup tu invalides ces cages, t'as plus besoin de les péter. Donc ouais. c'est un plan de jeu qu'il faut... Euh, effectivement c'est vrai, par exemple, qu'on tue taille, ouais. qui aura moins d'enchantements. mais lui tous ses antibats sont des enchantements quoi. Donc Donc euh, let's go, on va, pas se... on va Pas se priver. On va se faire chier. Je crois que c'est gardé. Ouais, on peut pas jouer la meneuse, mais il suffit de trouver une, une forêt. Putain, si on fait elle de la Noire, si on trouve Elf de la Noire, on fait Archidruid Nissa, c'est... Ah, C'est gagné. Ah ouais. Yes we did it. Oui. Aussi je regarde Dora. ouais. Bah On peut faire plaisir. Non Parce mais eu euh, t'allumais la télé le matin avant d'aller à l'école et il y avait ça en fait. Ouais. Et t'avais pas trop de d'autres alternatives je pense. Mm. Ou alors c'était avant un dessin animé que t'aimais bien. C'est vrai que moi aussi j'ai vu Dora alors que je m'en foutais. Mm. Mais j'ai vu. Fort. Bah je m'en foutais mais complet quoi. Genre j'ai jamais attendu un épisode de Dora. T'imagines il y a un fil rouge adorable serait ouf non mais tu pourrais te dire ah je suis là je l'ai pas vu c'est cool. cool et non je veux toujours caguer le cul quoi maître de guerre alors ça ça me paraît pas dingo contre nous je sais pas trop ce qu'il a à rentrer dans ses, euh, dans ses in et dans ses out. ces out, c'est le frère de César ah ouais mmh. oh la cache on a à la foutre, rien hein. à foutre ah, vraiment rien. Ah, et que marche royaume qui nous embête un peu quoi. Donc, euh, voilà, tu mets Archidroid et tu proposes Nissa pour le prochain. Oh, quand la liste est préparée comme on les brain maintenant les jeux contrôle, ah, ça fait plaisir ça. T'as as vraiment l'impression de jouer avec euh, un format d'avance. Ah c'est trop bien. J'adore cette sensation. C'est grâce aux professionnels. Hein. Mm. Nous on ah, est avec... des passeurs. nous. il y a un truc que j'adore dans Magic, euh, c'est vraiment rentrer des plains après Side. Ah c'est trop bien. Euh, c'est euh, vraiment du plaisir là ça n'en est pas du plaisir mais euh... alors là on Meneuse peut Elite, on peut élite mais on peut aussi archidrite pour s'ouvrir marche euh, ni ça ni ça mais franchement ouais. menace élite ça met un gros bord hein. d'accord pas un gros board hein. ça en met 6 points quoi. Si si ça met ça met un board, ça, ça, ça va pas chercher de zokers s'il veut en mettre cool mais alors ta cage si tu savais comment on en a rien à foutre manu dis mais vraiment euh... C'est le cadet de nos soucis actuellement. Ça, euh... ça j'avoue, j'avoue. Un peu plus relou déjà. Ça fonctionne pas contre les elfes quoi. Euh, non et ça n'a pas la vigilance. Bon on va ni ça je crois. Ouais. Ni ça c'est à dire qu'il tape dedans derrière on rentre des points. Ou alors tu set up euh, Archidruid. Oh, je me Star, tu la mets à 6. Il met un la coup met coup de à 1, ah, mais s'il met un coup de dent et qu'elle n'a pas la... la vigilance derrière, nous on fait, on fait des dingueries avec Archidruid ouais, ou Ouais avec, avec ton mana aussi. Ouais vas-y. Écoute, je crois que de toute façon on n'a pas mis de solution. Par Tonton. contre on a des Viviennes qui viennent bien casser les ouais, gens qui aussi. Ça t'attaque avec tout non. non. Avec rien je crois malheureusement. Ah, sinon il gagne 5 PV, il nous tue un land. Ouais, top deck Vivienne ça l'enfonce. Hein. Mm. Et il y est bientôt à retourner à ce je crois pas. Il me semble pas, checker. il doit il être à 2-3. Donc ça va. Il a tour 2, il a tout mis au cimetière. Ah oui, il peut-être un jeu de. Franchement, euh, il n'a pas son ange de profondeur, là. Son ange de profondeur, Le je, de profondeur. je sais plus parler. Putain, c'est l'alcool, ça. Si, euh, ouais. euh, bidon, hein. Tout bidon. Nulos. Ça, pas bidon. Ça, pas bidon. Ça non, ça va aller. Il n'attaque pas. Euh... Avant d'attaquer, vas-y donc, ils mettent deux... deux bêtes là dans le Teferi. Avec ça et ça, on oh, est ouais. d'accord oh, Ouais, comme ça, il est géré. Ouais. Ça me paraît important, ouais, t'as raison. Euh... Ouais, bon, il va gagner quand même 5 pèves, mais bon. Pas grave. On n'est on est pas au point prêt avec euh, Elf. Ouais, c'est vrai. Un petit archidroïde. Hein. Ouh... Ouais, bon, c'est bien on, on pouvait pas le... On pouvait pas faire venir son, son homonyme. Ouais. Non, je pensais peut-être à mettre Marche Royaume pour voir les cartes arriver, mais comment on sait qu'il y a ça euh, sert à rien. Ça permettait peut-être de setup même si on peut pas jouer les cartes. Ah là, je, je préférerais bien chez Vivienne, hein, très honnêtement, ouais. mais... L'avantage, c'est que Vras, ça lui fait partir aussi son Ange pour Fender, donc maintenant, il a un peu le cul entre deux, ch deux chaises, pardon. Ouais. Et en Marche Royaume, euh, peut-être c'est une carte à côté, parce que comme ça prend cage, euh, ça peut être... Euh... Ouais, mais après, ça, ça participe à faire du board, qu'est-ce qu'on mettra à la place, quoi Ouais, c'est vrai que je sais pas. Ça le, ça, le sous quoi. On m'a dit si ça prend cage pareil, et que en plus, vu qu'on a des pleins au cœur, on peut pas les jouer en Marche Royaume. Ouais, ouais, c'est sûr le, que c'est pas incroyable, travail. je suis d'accord. Alors là, on a quand même 5, 6, 7, 8 manas. Je crois que là, il faut... Ok, hein. si là, ça brasse, si là, ça brasse, on en est... Quoique, je peux juste aussi double marche ouais. royaume. marche royaume et euh, tu gardes le mana pour, euh, pour meneuse de Gland, Ah, mais tu perds Nissa. C'est-à-dire Ah Ah Quoi oui meneuse, ouais, mais tu perds la Nissa. Non, je crois que tu fais juste marche royaume, passe. Hein. Je peux double marche royaume si je le souhaite. Hein. Ouais, mais sur Vras, tu repars avec rien. Ouais. Quoique si, tu repars avec Nissa. Donc, euh... Nissa, mais pas le land. Pas ah. les manas nécessaires. Ouais. Donc, non, maison, Justin, ah, je ouais, pense. Je vais juste mettre marche royaume. Si décide de contrer ça, euh... s'en fout un peu. Oh je tape Nissa. Il Et bon, non non. Après ça a des bonnes stats quoi. Oui, c'est vrai que buffer un peu plus, ça peut aller chercher un ange. Ouais. Bah ne serait-ce que 5-6, ça suffit. Ouais. Donc le tour d'après, à la limite, si on veut. Ça on s'en fout, par contre il nous remélange la Nissa. Ouais, on est obligé. Bon, c'est pas très grave. Si on pioche Vivienne, c'est mieux que ça, donc. Euh... Elle devient noire en activant la meneuse du coup. En fin de tour. On oui, c'est oui. rituel, attends. Non, on peut, hein. enfin, on peut ouais. J'avais un doute. Oh, viens à nous, Vivienne. Franchement, c'est vraiment la défonsada. Si, on, mm. si on, on résout une Vivienne, c'est trop bien contre lui. Carrément. Comme à l'époque de Golgari euh, Explore contre Jeskai Control, quoi. C'était la folie. Mm. Il, a, il a retourné, hein. Ouais. Le coquin Il attaque et il va brasse, visiblement. Je vais quand même euh, chercher une meneuse pour. Euh... Pour pas bûcher. Elle euh, ouais. voilà. Il a trouvé sa brasse. Malheureusement. Ah, tu peux refuser. Pour... Ah, bah de toute façon, ça change rien. On en est où là? Euh, maître de guerre, non Ouais, ça voir. rentabilisera tous les elfes qu'il a après, donc ah. c'est mieux. S'il était low, je t'aurais dit de mettre 4 points avec ton arbre, mais. Je crois que ça, ça va nous défoncer maintenant. C'est un peu duré. Ah, ça en est fallu de peu. Hein. Après, il a eu sa cage, quoi. Et nous, on a on a ouvert une main avec deux marches royaumes, tu vois. Ça a invalidé quand même certaines cartes qui auraient pu ne pas, ouais. pas l'être. Toski, pas mal. D'ailleurs. On n'a pas un intérêt à d'abord passer par un, un elf et Toski derrière. Si ne joue pas Toski, il vaut mieux jouer pour euh, avoir le cinquième mana pour un Planeswalker. Potentiellement. C'est peut-être mieux d'avoir d'abord du board avant de Toski, non Faut, En fait tu vas mettre qu'une créature, donc au tour prochain, tu vas piocher qu'un et Toski il, il fait piocher aussi. Ouais mais là s'il a un Teferi, il va minus sur Toski, ou s'il a... Est-ce qu'on ne veut pas protéger, protéger pardon, des lévitations de par exemple Qu'il a incontrable. De toute lui, il veut utiliser ça, Skenta. Ouais. Toi, ce qui, c'était pas mal, hein, un ou deux tours avant aussi, hein, avec le board qu'on avait. Hein. Ouais, parce qu'on pouvait suicider une créature pour piocher ouais, 3-4. Largement, ouais. Okay. Il a la place quand même pour garder des piocheurs et tout dans son deck. Hmm. Hein. Ça fait très old school euh, sa version du white, ouais, avec des anges et tout ça. Bon, c'est en sale dans hein, les anges. Alors, aurait pu mineur Toski, donc on n'est pas si déçu ici, mmh. pas si pire comme on dit. No et du coup, on va pouvoir Toski piocher une carte, mais on ne gère pas tes Je crois que c'est. Oh. Ah, il est bon. Il est bon aussi. Faut ah, le dire. Il est bon. Il est, il est bon, bon. Il est bon. Qu'est-ce que vous voulez Il a Ace hey, Toski Non. non. Il se met bien dans top. Bon, on a le cinquième land. On peut aller bourrer tes ferries avec ça. Ouais, tu mets un Je vaut mieux mettre tout ski Essayer de. quoi que non, il peut 3. Je crois que c'est bien en 2 pour le coup. Bon, cette game, elle est complexe. Ouais, là, on se bat au cas où, mais c'est quand même dur de revenir. On va prendre, on avance sur la cloque. On sait jamais, tu vois, s'il met 1000 ans à nous tuer. On sait pas. We need to move quickly. Ah, je vais essayer de move quickly, euh, Manu, ça va aller. C'est fou que Teferi dit ça quoi. Tu peux te bouger s'il te plaît mm. Enfin, bougeons nous quoi. C'est vrai que ça parle pour les deux joueurs. Ou peut-être que pour Manu en fait. Mais je le prends pour moi quand il le dit. Ah ouais. Tu un point peu... comme une agression Bah un peu ouais. Il le dit un peu sur un ton euh, We need to move bougez-vous le cul ouais si je peux te traduire littéralement ah mais il dit bougeons nous le cul tu vois C'est ça qui est étonnant ah oh, je vais casser ça oui oh, tu peux ah casser non. une fin des concertants ah mais non attends, un... il faut d'abord casser le Teferi. TFRE... Et... ferry pourquoi bah parce que c'est gênant ah oui avec ah euh, ouais je crois que si cest à dire comment tu casses J je crois conseils. que si, si il nous empêche de casser Tef, on va passer le tour enfin on va passer euh, okay, à une voilà mais s'il si nous permet de gérer le Teferi, je suis chaud. Ah ben bah non, mais il va faire un token. Il y a le land blanc. Bon. Alors on gagnera plus cette game. Ouais, on passe plus avec le land. On passe avec Guillaume. Le fils, qui ce va faire la blague. Bah oui, forcément. Il a marche, marche royale, c'est que ça pue du hein. Là, ça pue du mais comme tu dis, peut-être pas tous les côtés, mais en enlever un peu. Peut-être que Limon, c'est juste une meilleure bête. Hein. C'est mou, hein, contre lui. Hein, lui. Ouais. C'est tout mou, quand même. Ou les sentinelles on du bord rapidement, là on commence, donc c'est plus intéressant d'avoir des sentinelles. On peut faire un peu ramper dans Vras quand même, Tout petit peu. On peut faire une espèce d'entre-deux, un peu, un peu moelleux quoi. Ou alors avoir juste un Marche-Royaume et deux sentinelles. Ouais, euh, laisse qu'un Marche-Royaume. Ok. Avec Marche-Royaume ça te demande aussi un petit peu d'expandre ton board, mais ça vient pas de ta main. Hum. Donc c'est pas trop grave de prendre Brass pardon, sur des ressources que t'avais pas à la base. quoi Je pense que là ça doit être un bon top deck s'il a pas de cage plutôt que une stratégie vraiment quoi. Ah il n'y a pas de land. Allez gardable. Hein. On est sur le play, on va réussir à jouer des Allons-y. Hein. Franchement il y a Vivienne qui nous met mmh, bien ouais. si on trouve un land. Vivienne Archidroid. On peut lui faire la sortie Vivienne T3. Euh... Hein. Trop de land. Non Juste avec... Euh... Ah juste là, ouais. Je crois que ça suffit, non ouais. ouais. Il faut juste un land. Aïe, 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 aïe. Ouais, mettre une guerre, c'est mieux. Putain, pourquoi on n'est pas payé, quoi En plus, à Dexy, je joue 22 landes. C'est deux landes de plus que l'hélice normale de Elf parce que le haut de curve est un peu plus cossu. Ah oh, non, on peut pas la perdre comme ça, quand même. Oh, c'est ah, ouais. un Il va gérer l'Elf. Il Ah, normal. Ok. héberger Dans le tour. Tu peux pas, hein. Ah non putain je suis con. Ah parce que moi je joue avec des elfes où j'ai le droit de faire ça. Ah euh, non tu peux pas. Donc, non non on n'a pas on a pas les bons elfes de Legacy. Il va regérer sentinelle Oh Ok Donc là Alors, on peut décider d'archer quand même fort de rentrer dans Brass. Hein. Ah bah de toute façon est-ce qu'on est-ce qu'on a un plan de jeu où on tourne autour de Brass maintenant C'est impossible de tourner autour de Brass ici. Le but, c'est de Vivian le plus vite possible. Ouais, c'est pas faux. Vas-y. J'accepte de perdre sur Brass, c'est pas grave. Mm. Moi, j'ai éclaté Abzan Angel, euh, mon devoir est fait. Oui, c'est vrai. Tu vois Le taf a été fait. De toute façon, là, même sans Vivienne, le board est déjà très menaçant. Ouais. Après, on peut se dire aussi euh, que tour 4, qu'il a pas sa brasse. Mm. On s'en fout que ça va aller, ouais. je crois qu'on en a des fourrés. Ah. D'ailleurs, euh, si là il fait pas ce tour, tu peux faire un meneuse pour euh, gagner, mais bon, c'est dur. Hein. Ouais, après il a joué deux cartes. Quoi, nous on fait une des garde un land. Ouais, mais on gagne 6, on a une main qui peut faire VNT3, on a raison de la garder, je pense. On n'est pas obligé d'avoir zéro land sur notre main à 7. Ouais, ouais, ouais. Je pense que cette main à 6, on est obligé de la garder, quoi. On va essayer de se battre, un peu. Ouais, Berger, et tu mets un point dans TF. Ah bah, tu le contreras pas. N'essaye pas, Manu. C'est pas possible. Il y a des choses possibles et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, c'est pas possible. C'est les sorts verts ou les sorts des créatures qui sont en de... C'est les sorts verts, je crois. Ça, ça empêche euh, Natural Order d'être euh, contraint en Legacy. Donc ça rend pas mal, quoi. C'est bien, ça. Ah ouais, ouais. Tu vas prendre Behemoth Non. Si, si, tu vas prendre Behemoth. Ça. Si je vais le chercher, je vais je le je poser sur le et Tu vas juste te taire. Voilà. Alors, euh, tu vas juste ranger ton deck. Bien, hein, Berger des Allosaures. 70 euros, je crois, ça vaut. Ça va Peut-être du BC, quand même, depuis le temps. Mais à la sortie, ouais, ça va aller son petit pesant de cacahuètes. Cinquantaine, au moins. Oui, je pense. Ah ça les vaut hein, de tout le texte qu'il y a. C'est vrai. C'est une 2-2 deux deux pour 1. Il faut savoir que vous payez vos cartes au texte. C'est une 2-2 pour 1, regarde donc. Trop fort. Ça on a rien à foutre. Oui. Mais il l'avait, tu vois il faut le souligner. Ouais. Monsieur, euh, monsieur a tout. Et là on peut je Marche Royaume. Lyra ah. aussi. Lyra ou Benslayer. Est-ce que je fais Toski pour le freelance pour tous les tours <laughs> là, Je crois que tu joues qu'un Toski hein. Tu penses Ouais. Bah non. Si je... décide d'attaquer, tu pioches des cartes. Hein. Ouais, puis je vais trouver l'an, tu fais vivienne, casser la Lyra, le bourré. Ouais, ouais. On en est là. Hein. Aussi. Regarde. Hop, je mets un stop ici. Je chauffe le dessus de la carte. Ouais. Et on concèdera en, euh, Il y a en un beauté. Un petit euh, cucu de fée sur la carte. Ouais, c'est le gars à Cradle, hein. c est, c est tout, tout est roleplay. Hein. Mmh. J'avais fait ouais, l'effort. j'ai vu, j'ai vu, euh, j regardé les sleeves direct, je me suis dit, c'est bien. J'avais fait les l'effort. Par contre, lui, il en fait vraiment aucun quoi. Oh mais il avait une main, c'était son, les... son side. Combien il joue de cartes <laughs> C'était son side la main de départ. Ah, je te dis, elf ça fait peur aux gens. Lui il est matrixé, il est fou dans sa tête. Je le dessus, pas quoi. J'en ai Genki Dama dans le commentaire. Maintenant. Je Maintenant. Mettez sur pause là, tout. comme ça. Je donne tout C'est bon, c'est prêt. Merci. Merci les commentaires. Contre. Il jouera folle des terres, je chivole. Je dis, hein. vas Voilà. Excusez-moi, fallait que ça sorte. Non, il va devoir la minus On va quand même mettre les points là, je ah pense. Non, il double bloque le Berger. Ah ouais, c'est pas très bien. Ouais, juste ce hein. ah, C'est pas très bien quand même. En vrai, euh, on est content, mais <laughs> ça n'arrange. pas ah, Parce qu'on était dans la sauce et eh maintenant on l'est moins. Ça n'arrange quand même pas nos affaires cette histoire. C'est-à-dire a un moment le bord ne euh, sera pas dégueu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on peut piocher plein de power cards et le grinder. Hein. Mm. Attention, on a déjà un quart des, des landes du pack, quasiment. On peut piocher autre chose que des landes. Oui. Mais c'est bon, on a pu chercher ce qu'on voulait. Mais non. Ouais, il y a autre chose pour la gérer, je pense. Ouais, J'espère pour lui, ouais. Parce que ça, euh, ça te fait perdre hein, quand tu mmh. joues Wild Control. Un petit plus 1 qui va faire juste plaisir. Il ne peut pas trop attaquer aussi, parce que si jamais Toski ou les autres collègues passent, euh, ouais. les méchants trépassent. Lui trépasse, c'est ça. On aura quand même aller lui mettre des points avant qu'il fasse moins 8. Note pour plus tard. Si jamais on lande, au pire du pire, on a meneuse de clan Elf, Donc euh, bon. Avant oh, bon, le berger, surtout qui est en 5-5. Comme si on peut attaquer. Ouais, voilà, bon, on va déjà attaquer de toute façon. Comme Kakashi. On va déjà attaquer. Kakashi attaqué. Hein je je, je l'adore ce marche-royaume de moi, je merde, faisons. putain. Sans me déconner. Moi oh, j'en ai un là, Le marche de merde. Mange-le s'il te plaît. C'est bizarre, j'ai l'impression que je peux tordre mes cartes. Mange-y un coup. Marche de merde. Il brille hein, sinon je le croque. Hein. Je te dis moi Je vous prouve. Marche de merde. Je fais quoi J'attaque et je buffe avec berger mmh, Pour que ça mette des 5 points à Teferi, c'est ça l'histoire faut que ça touche quoi pour piocher euh, bah, un joueur. Putain, Mais c'est pas grave, c'est trop important de gérer Tef là. Il est peut-être long en ressources, c'est... Ouais. Vas-y, l'autre carte. Tu sais qu'il y avait 4 landes sur le dessus du pack, j'ai fait Vivienne 4 landes. T'as rien pioché du coup Bah j'ai pris un land quoi. Ah oui, tu peux en prendre. Un... Mais c'est fou Alors qu'on a pioché 2 landes d'affilée, il oh, y avait 6 ouais, landes sur le dessus du pack. C'est quand même... Euh... Bah, c'est marrant, je trouve. Voilà, moi je trouve ça amusant, attrayant. Divertissant Divertissant, ouais. Bigarant. C'est bigarant. Jean-Marie Bigarant. Oh. Lui-même. Hop, ah, je suis en train de tordre une carte pour qu'elle ne soit plus bent parce que les produits Wizard. Euh, foil, c'est de la merde en ce moment. Voilà. Oh, malheureux, hein. Il n'a pas compris, lui. Double bloc. Tu vas peut-être chercher une meneuse plutôt, si double bloc. Ah bah non, il est cage, donc ça ne marchera pas. ouais, de toute façon, faut que tu... Ah oui, déjà, ça ne marchera pas, mais en plus, faut mmh. payer 6. Enfin, faut l'engager, pardon. Je suis du père. Ah, oui, donc euh, moi, je suis... Euh... Ah, on est tous je suis plus là. Hein. Bon poteau, s'il te plaît, est-ce que tu peux choisir euh, une solution là Qu'est-ce que tu fais Quoi tes ou qu'est-ce C'est gros ce dé là. Clique donc sur ce berger. Il va casser un château Garmbrig. Merci. On n'y croyait plus. Ok. Pourquoi il, bah ça, il en a un autre On aurait pu écoute, mettre ce Toski d'ailleurs sur, sur Manu. On peut grimper. Bah non, dans tous les cas, c'est un point de plus. Il, était, il pouvait bloquer hein, aussi. Hein. Oui oh, mais euh, il était pas à 8, Steph. On avait un tour de plus. Il était à 7. Il était à 7, ouais. Donc, enfin, dans tous les cas, je mets tous les points possibles pour retarder au maximum sur moins 8, quoi. Sinon, on perd instant. Ok. Il avait deux créatures si je mettais Toski sur Manu. Et qui bloquait avec les deux créatures, on mettait 0 points sur Tef. Oui, mais on avait deux tours avant qu'il ulti. Pour le prochain, il passait à 8 tours d'après, il devait ulti. Ah oui, mais c'est non, quoi. Ok. C'est non, c'est non. On peut peut-être la gagner cette game. Hein. Ah, pour l'instant, euh, il aura du mal à gérer euh, Plainswalker, euh, Toski et nos créatures. Dans le tour. Il peut faire Tef et mais il gère pas Toski. Vras exil, il ne gère pas Vivienne. Vras exil. Bah il fait une Vras, il exil de ski. Ah ouais, Vras plus cast out. Ok. Oui, il a les manas, il a Oui, oui, largement. En fait, il a pas le mana pour euh, Teferi Vras, là pour l'instant, il en a manque un. Entre guillemets, euh, trois types de menaces, quoi. Ouais, ouais, donc on est pas mal. Oh bah il fait rien, oui. Parfait. Pasteur. Attends, attends. il fallait plus Vivienne plus d'abord. Ça change quoi Bah si tu y trouves land il sait que t'as un lendemain. Ah oui. Effectivement. Ou tu veux casser un truc là et perdre non, ta vie Non, 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 jamais en fait. Non, mais au moins je regarde le board. L'état du board, on sait jamais. Orchéroïne. c'est bien. Est-ce qu'on préfère avoir des bergers C'est probable. Hein. Là, je crois que tu, tu juste attaques, hein. tu gardes tes cartes en main. Tu vas essayer de piocher. On y va. Vas-y. On pioche une carte, super. Le side nous fait gagner contre contrôle, c'est la folie parce qu'une game grindy comme ça, c'est pas évident. Là, on est encore là, grâce au side, Plus de plus de vigilance indestructible, je peux te dire que lui, c'est poubelle derrière. Terminé. Tous des top decks, même un c'est vénère. Terminé. Exactement. Indestructible. Indestructible. Qu'on ne peut détruire. Que l'on ne peut détruire. Que l'on ne saurait détruire. Et il n'a pas les couleurs noires pour détruire l'indestructible. Non, non, non. Il peut exiler. Il, il a les il... couleurs blanches. Ouais, mais ah, il peut ça. exiler qu'un par un. C'est vrai. Ah, il va aller chercher Vivienne. C'est un petit peu dommage. Nous n'allons pas nous mentir. Donc Cela dit, on va chercher Vivienne, voir ses faut boss, hein. Il faut être le boss. Il faut être le giga boss pour faire ça. Attention à la gigabossitude des gens, parce que fin déconcertante, poubelle sur ce qui hein, marche pas. Il faut forcément cast out, ou siloer. Teferi. Ok. Pioche. Est-ce qu'on veut gérer ce Teferi ou piocher un maximum de cartes Près de chez moi. Ok. C'était pas très bien. Hein. Un peu dommage quand même qu'il y ait ça, parce qu'avec Marc mmh. on aurait pu faire des dingueries quoi. Ça m'emmerde un peu quoi. Après il a pioché tout son side. Hein. Oui bah oui. Ouais, comme d'hab. Hein. Bon, on a 3 trois, euh, trois cocos là, les deux 1 euh, pour 3. Ils peuvent être là aussi. On pourrait avoir des faceless euh, even aussi, ce serait pas mal. On peut repiocher aussi des gros plain soccer. Euh... Alors, déjà, on va y mettre un petit point dans la trône pour piocher une carte. Ça ne mange effectivement absolument aucun pain. Il a pas un boons pour un Tu <laughs> veux vrai. pas ça S'il te plaît. Le mec il pioche pas dans son deck, il pioche dans la database. Il est trop fort. Il, il pioche dans sa collection. <laughs> vraiment ça sur mon compte, c'est bon. Zibos quoi. 9 points. Euh, 9 mana. On met tout. On met tout la pavrasse. Moi je mets maître de guerre, marche royaume. Déjà. Ah il faut penser à payer avec je pourrais le payer, je pourrais quand même On met tout, non Regarde donc là, c'est pile le mana gros. Mais il marche royaume pour voir. C'est un appel hein. C'est vrai qu'il y a pile pour tout mettre. Hein. Et il vient de Vras. Bah, clique sur Plus ça. Parce euh, que je comprenais pas ce que le jeu me demandait. Ah top c'est pas mal Du coup on a peut-être plus envie de tout mettre Ouais je crois que là on peut s'arrêter là ouais, Tu peux donner un elfe Elfe d'embrasse, c'est un peu cadeau Tu il... peux donner un elfe Ça fera une vrai. carte de plus sur la skis S'il a pas brasse. Oui gagne tous les peufs que tu veux Yugi J'en ai strictement rien à foutre Qu'est-ce qu'il a pour un bleu là un fortel ouais, ouais, Il y a, y a probation depuis le temps bien sûr Bien sûr bien sûr. Non mmh. oh, je commence à me frotter les mains là. Elle est bien cette Attention. game. Attention il Il fait du Scry 2, il fait de la pioche, euh, il y a de la sélection en face. Il a eu combien de Vras déjà Deux Vras, toutes ses cartes de side. On fait en exil, ce qu'il a Ah bah c'est la carte la forte Donc c'est biol the Multiverse ou Sweet Coming. Il a pas joué de d'Oscar euh, la game 2 il avait un en plus Peut-être, on... ouais, ouais, Au peut moins 9 minutes. On peut jouer la cloque. Jouons le temps. C'est les games les plus passionnants de Magic. En ouais. vrai, quand tu gagnes, oui. Si jamais, en fait, tu as pris un chemin de traverse qui te donne l'étale là où tu l'avais pas, franchement, let's go. On y va maintenant, Val. C'est parti. Non, bon, on va essayer de le tuer, mais s'il prend trop de temps à survivre, ouais. tant mieux. Combien il reste de temps, nous Beaucoup. 16 minutes, ça Et va. pourtant, on est à 2. Euh... Hein. Ils sont peut-être 3. C'est Manu et 19. Ils sont peut-être 19 Ils s'appellent être... tous Manu. Ils sont peut-être 19. Mais là, attention, le bourre et qu'il se passe rien, il est juste euh... mort. Il quoi. est dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu peux mettre 15. Ouais, J'y mets tout hein, là-dedans. Ouais, Après 15, est-ce que c'est mieux que ça du reboisement Oui. C'est pour piocher surtout. Oui. oui. J'y mets tout. Oh, oui, non, mais moi je parlais d'utiliser la capa de maître de guerre. Ah Mais vas-y, tu peux attaquer avec tout déjà. Ce que je veux c'est faire full value. Tout dans la trône, que je sais pas une carte. On a trois tours avant le Et si Settle il y a, euh, nous gagnerons pas cette game. Voilà. Ce non mais est... on repart quand même, hein. on se vide les landes du pack, euh, on enlève le ton deck de merde qu'on allait avoir. Après si y a Settle on... Ouais, ouais c'est vrai. C'est pas bien parce que non. du coup au lieu de faire de la value on, on est derrière mais euh, on a du malin pour faire des trucs. Ah ils vont enlever il... Ça c'est très très méchant par contre. Ouais on va pas piocher. Ok bah là tu vas juste mettre de gear elf. Alors attends. Je pense que c'est ça et ton prochain tu fais ça du reboisement qui pour casse le castard pour reprendre ton poids. Et... Et... Donc et là droit. on lui met les points. Ouais vas-y. Okay. J'aime bien. passe à neuf quand même. La passe à neuf Ouais. J'ai fait championnat de France de rugby à 13. Avant. Ah bon. C'est vrai? Non. Ah. Pourquoi? Enfin, pourquoi l'anecdote comme ça? Pourquoi rugby à 13? Penser euh... à rugby à 13, je me suis dit, tiens, ça fait un moment que j'ai pas dit une connerie qui sert à rien. Ok. Mais ça existe le rugby à 13? qu'à la base, c'est 15, le rugby. Putain, je crois que c'est rugby à 11. Ah, ça, c'est le foot. Est-ce qu'il y a un espèce d'entre-deux? Ah, Est-ce qu'il qu y a un rugby où on a que deux ailiers, tu vois? Je Je ai aucune idée, Je on connais rien en rugby. Je vais regarder. Mais je sais pas pourquoi quand tu l'as dit ça sonnait vrai. Ouais. Le rugby à 13. Après viens j'essaye. Moi je suis champion d'Europe du rugby à 18. Ça marche pas. Rugby à plein de collègues. <laughs> si ça existe. Le rugby à 13 et aussi le rugby à 7. Ok. Appelé rugby league. C'est bizarre. Parce que 13. tu sais que le foot à 9 n'existe pas. Pourquoi ouais. le rugby C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent... Non mais en fait à 15 c'est moins bien. Bah ouais. Il a encore Vras putain. Mais quel petit chameau lui Un oh, petit chameau. Parce que je, le rugby à 7, je vois bien la diff par rapport au rugby à 15. Deux fois moins, tu vois. Ouais. Mais rugby à 13, c'est quand même très proche, tu vois. Il suffit que t'aies un blessé, un carton rouge... Dans euh, l l tu finis en rugby à 13, quoi. Bah ben oui, c'est pour ça. Du coup, est-ce que dans les matchs qui se passent très mal comme ça, les gens qui ont fait du rugby à 13, ils sont trop chauds, du coup et Je sais pas. Je, je t'avoue que je ne sais pas. Il avait sa troisième race, on n'en fait pas mention, oui. là. Oh, oui, eh ben, écoute, On va libérer... Et on libère Toski. Et on libère Toski, ouais. Libérer Toski. Libérer les Poneys. Oui, tu gagnes des points. support. En plus, si on te pioche rien, ou même si on pioche un truc, d'ailleurs, on pourra avoir son visage pour piocher avec Toski. Rends-nous le Toski, s'il te plaît. On commence à être un peu recte par la pression de Teferi aussi, quoi. C'est chiant. Hein. Euh, oui, mais il a 6 minutes pour nous tuer. Mmh, tu penses à ce que je pense. <laughs> et même si on a plus de land, ça tue pas. Non, il a des fonds de requin. <laughs> il est malin. Et il a son land qui va faire un token, puis deux tokens, puis trois tokens puis, tokens, puis cinq tokens, et ainsi de suite. Après nous, on va se battre. Voilà, je vous le dis, sur cette vidéo, on va se battre. Moi, j j que je que j'ai joue on Rien va, foutre. Voilà. On, on va se battre jusqu'au bout. Après, il y aura plus de land à un moment. Regarde-moi ouais. tout ce beau paquet plein de, de. Il y a quand même plein de voleurs. on en a pioché qu'un sur les 6 ou 7 land. Plein ans. de gaz. Plein de gaz. Six. On a les piochés. On même pas Taivar d'ailleurs. S'en fout. Taivar quel Le Penzalker. Ah non. Bah, c'est moins bien que ce qu'on a à disposition en historique. quoi. En fait, Taivar, euh, il te fait quoi Il te met un token et il les buff, c'est ça est mignon, l'autre euh, prend du mal à noir. Euh, il fait un token et ouais, il, il a J'ai 3-3 célérité, quoi. Ouais, ouais. Il n'y a, pas... a pas match en fait. Il va falloir lui mettre des points dedans. On n'a pas le choix. Est-ce qu'il peut nous empêcher de lui mettre au moins un point dedans? Probablement pas. Il peut payer ça une fois. Là il a de quoi faire un token. Est-ce que tu attaques pas Cone, avec... Non, attends, on pas, ne non, pas. Sans déconner quoi. Euh, voilà. Tu attaques avec Archidroid et Sage dans Teferi. Et ouais. Et une petite carte. Il peut faire qu'un token, on est d'accord. Mais il a ah, ouais. deux manas supplémentaires pour faire Siloway. Parce que là si on ne tue pas Teferi c'est minus. On met tout dedans au pire. Hein. Mais c'est dommage de perdre une draw. Après est-ce qu'il a joué un seul Siloway de toute la partie Alors vas-y, euh, mets tout dedans. Il n'en a pas joué mais il suffit qu'il il en ait un à rentrer en side qui pêche au bon moment. Ouais. Deux, On va chier. 3-4. Normalement c'est jouer Mendek deck. Hein. Ah je suis euh, pentu pen toi. Non mais mets tout dedans. Je mets tout dedans. Ouais, ouais. Parce que lui, ses moyens de gagner, ils sont lents. Oui si tu les enlèves. Ouais, c'est clair. Tu les diminues, euh, ça nous laisse du temps pour nous revenir. Ok. Du coup il joue effectivement le même joueur des combats. Ah ah, C'est ce Surtout, surtout qu'il les a tous, quoi. Ça m'en fout. Ouais. Et nous, on a sorti tous les landes de notre ouais, pack. Et... Enfin, il arrive au bout. Là. Et on continue à en avoir, quoi. Il va ultidef def, euh, s'il en trouve un autre. Oui, il va ulti dans tous les cas. Après, ultidef de euh... ouais, faut, faut qu'il qu trouve faire qu'il font pour nous finir. Hein. 4 minutes, parce que nous, on a quand même euh, 8, 9, 10, 11, On a 13 landes là sur les 22. Donc s'il ouais. euh, en enlève ne serait-ce un par tour ou deux. Euh... Je... Il est temps de retrouver des bêtes, peut-être aller beat down. Faudrait trouver genre. Euh... Il ah, y a un autre défi, évidemment. Je sais pas si on a si on a moyen de gagner cette game. Si, on, on a moyen d'essayer de lui faire dépenser de la cloque et de lui proposer des actions à chaque fois, tu vois. Faut lui mettre des stops partout. C'est parti du jeu, hein. Il y a des games qui se gagnent comme ça lors des des mythiques invitational, donc euh, prendre les dynamiques jusqu'au bout, quoi. Mais Il faut lui demander des, pa des passages à chaque phase, quoi. Mais 4 minutes c'est beaucoup. Ah, après avec ouais, Ange Profondeur, il nous tue en 4 tours, donc... Euh... Ah, un de moins. Oh, un de moins. Ah bah ben non, il va l'exiler quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Mais... Ouais, sans Ange Profondeur, on pouvait peut-être jouer euh, la cloque. Mais là... Euh... Ouais. Là, il a tout quoi. Ouais, je crois que c'est fini. Il a quand non, même En plus, on, 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 part, on, part sur, Internet, mais... on part sur une game où on descend un land. Ouais, c'est vrai. Euh, on s'est quand même bien battu et euh, encore une fois, bah, on a trouvé un plein sur 6 euh, quoi. Hmm. genre tous les tours où c'était un peu Miffy, où il faisait pas grand chose, euh, tu joues Nissa ça. Euh, il est trop Je suis déçu parce que le plan de side, franchement, il marche bien. Hein. Tu ouais. vois comme il en a chier tout, alors que normalement euh, trois il euh, y a plus de deck quoi. Hmm. Et là, on, à travers trois brasses il se passe des trucs quoi. Ouais. voir ce qu'on pioche quand même, hein, en vrai, on, on va rester combatif quoi. Mais voilà, avec Ange pour vendeur, on peut quitter, on peut quitter. Bah, je réfléchis à ce qu'il pourrait nous faire, euh, à piocher plusieurs cartes dans le tour. Il trop tard. Ça hein. trop tard. J'y vais. Hein. Regarde, ça descend, hein. ça descend. Ça descend. Ça descend. C'est contré. Il va, il va faire comme un grand. Il va y aller. Il va nous tuer. Il va aller au bout. C'est le moment. On, nous, on peut euh, déjà euh, promouvoir la fin de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, je pense. <laughs> J'espère euh, qu'elle vous a plu. Euh, pas trop de réussite sur ce euh, dernier match, mais euh, le deck est quand même. Très solide et beaucoup plus résilient. Ouais. On a vu qu'il suffisait de pas grand chose. Et lui est extrêmement préparé. Et lui était extrêmement préparé. Il a bien très bien plus ce, le side, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Et puis il termine la cloque hein, à pas grand chose. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valpell Magic Arena IFR où il se passe plein de choses. Dans... Peut-être un cast, je ne sais pas, peut-être qu'il va se passer ça peut-être euh, dans les jours, je sais pas, entre le 26 et le 28 mars. Euh... Ça commencera vers 18h. Euh, voilà, Et du coup, euh, surtout n'oubliez pas, c'était de, de la, la magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.